Ah, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous, les amis. Alors aujourd'hui, je vais tester un tout nouveau jeu qui vient de sortir sur Play Store. Voilà. Donc là, je vais tester. Hein, c'est comme du Idle, voilà. Donc allons-y. État du Yucatan, Mexique. Alfonso? Où est passé Fichu Kid? Bon, peu importe. L'aventure ne sied visiblement pas à tout le monde. Mais moi, Videolord, premier viewmaker de la planète et explorateur sur Internet comme dans la vie. Je l'ai fait. J'ai trouvé le temple secret Kulkukan, le serpent fusion et dieu des Yu. Je dois admettre que parfois je m'impressionne. Vite, je dois faire un live. Non, mieux. Je vais produire une vidéo pour mes abonnés. Comment ça, hors connexion? Y a pas la 3G ici? En même temps, c'est un bâtiment ancien. Il y a sûrement du Wi-Fi. Ouais, voilà. J'ai un réseau. Coucou A, enfin 1K4 Pouch Boss 2012. Wow, c'est du très haut débit. Hein? Qui a éteint la lumière? Alfonso, c'est toi? Ah. Dix ans plus tard, nous terminons cette édition par un bien triste anniversaire. Nous commémorons aujourd'hui la disparition mystérieuse de Vincent Leroy, plus connu sous le nom de Videolord. Viewmaker, pionnier, s'il en est, qui donna leurs lettres de noblesse au mot FAQ et Meetup. Sa Majesté la Duchesse de Zuckerberg, reine et gérante d'Internet Corp, inaugurera demain une autoroute à sa mémoire. Toutes les équipes de la NNC seront sur le qui-vive pour couvrir l'événement en direct. Vous êtes chez vous. Vous venez d'aménager à Voodoon, la nouvelle cité-état bâtie par les géants d'Internet. L'humanité est paisible et prospère, puisqu'elle vit sous l'égide d'un opérateur mondial. Du moins, en apparence. Vous avez un appel. Salut poteau, ça roule? Je suis en bas de chez toi, t'es là? Cool, j'arrive. Oh, t'as une drôle de tête. Je te reconnais à peine. Tu t'es endormi sur un tuto make-up ou quoi? Choisissez un vieux make-up parmi les 7 présences. Choix est temporaire. Vous pourrez modifier votre apparence plus tard. Voilà, ta meilleure mine. Je t'ai apporté un cadeau de crémaillère pour décorer ton nouveau studio. Je l'ai trouvé sur eBay. Une enchère remportée la dernière seconde. Le vendeur disait que ça venait du Mexique. Ouais, c'est ouf. Sauf que le paquet a pris un coup dans l'avion. Alors je ne peux plus le vendre dans mon bazar. J'ai demandé des détails au vendeur, mais il ne m'a jamais répondu. Bref, ouvre le colis s'il te plaît. Ça commence à être un peu lourd là. Alors on va l'ouvrir. Désolé si je tousse un peu. Un meuble. Ok. Parfait. Maintenant, attrape la statue et pose-la dans ton studio. Alors. Non, on va le mettre là pour l'instant. Alors, ça a de la gueule, non? Je savais que ça te plairait. C'est tout à fait ton style. Tiens, mais c'est quoi ça? T'as vu ce truc vert chelou qui flotte devant la statue? Je préfère pas le toucher. J'ai pas envie de choper une lièvre mexicaine bizarre. Prends-le, toi. Clique dessus. Waouh, c'est beau. C'est hypnotisant. Tu crois que c'est dangereux? Si ça se trouve, ça se vend bien sur perduvendu.com, un truc pareil. Je ne crois pas que ça venait ensemble. Tu prends la statue et moi je prends le truc vert, ok? Pff, chacal. Ok, alors produis-moi une vidéo. Ah non. Ok, alors produis au moins une vidéo dessus. Avec ça, on pètera le score de view. Et comme c'est mon idée et ton truc vert, on partage les gains, ok?
C'est toi qui parles et on peut cliquer sur ma page. Vous êtes sur la chaîne Ramsar. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer la production d'une nouvelle vidéo. Voilà, donc là, il faut, si vous voulez aller plus vite, la production de la vidéo de plus vite, en fait, il faut cliquer. Donc là, on va la publier. Pour l'instant, c'est bien. Attends, d'accord. Nous sommes en l'an de grâce 2022. Bon. 2 ans dans le futur, quoi. Pour nous. Un mystérieux rayon vert vient de frapper de plein fouet le palais d'Internet Corps. Ce phénomène étrange aura tôt fait d'être pâtissé pour les chaînes d'info. Continue. L'apocalypse 2.0. Internet Corps est assiégé. Nos envoyés spéciaux nous rapportent des disparitions étranges de vieux mecs. Nous recevons à l'instant un communiqué du palais que nous vous transmettons. Pour votre bien et la sécurité de tous, produisez des vidéos et restez chez vous. De retour dans votre nouveau studio douillet. Alfonso, ¿dónde estás? Hola, ¿qué? ¿O soy? C'est toi qui as ouvert le cloud où j'étais enfermé? Horreur! Le malware a avalé tous les viewmakers. Je suis resté coincé dans cet enfer, sans rien fumer, pendant des années. M'entend montrer au Mexique, j'ai trouvé statue. En m'y connectant, j'ai ouvert un fortress qui a avalé mon âme. Comme je n'avais pas de réseau, il s'est refermé sur moi. Mais tu l'as rouvert et connecté au monde entier. Bon, le cristal dans lequel tu m'as trouvé le dieu en fait collection. Il enferme dedans les vieux muqueurs en perdition et s'en nourrit jusqu'à ce que le réseau soit complètement disserté. Je ne peux pas me déconnecter de cette statue, mais j'ai accès à son programme interne. Le malware qu'elle renferme ronge le réseau et gagne du terrain. C'est une course contre le monde. Il faut résister, rebooter le système pour empêcher cette disparition. Crée une nouvelle chaîne, dépêche-toi! Bah moi, comme j'ai plutôt une chaîne gaming, je te prends un front night quand tu veux. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, bonjour, ton ami et toi, vous avez libéré un malware qui... La box a explosé, ma chaîne a disparu, toutes les chaînes ont disparu. Bah, il m'entend pas? Je suis un fantôme ou quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y a plus qu'à se mettre en boule et attendre la mort. Ah non, ça mon gars, j'ai déjà essayé. Attends, si les vieux makers ont disparu, ça veut dire que... On a toute l'endurance disponible. Il faut que ça mieux faire de vidéo pour compter que plus personne ne fait de vidéo. Ça va cartonner, on va se faire un max de views. Faut que je passe chez moi créer une nouvelle chaîne. A plus! Ton pote Dingo a raison. Pour contrer le malware, on va avoir besoin de views. Énormément de views. Commence par faire un live pour te présenter. Clique plusieurs fois sur la partie haute de l'écran afin de collecter 100 views. Ensuite, tu retireras ta première vidéo.
protection est terminée. Hop, alors sur le let's play de Loadwork. Donc on va le publier, voilà. Et on collecte. Donc là, il veut nous parler. Tu as mis en ligne ta première série de vidéos, bravo. C'est pas mal, ça me rappelle ma première diffusion, ça tâte. Tu savais que ta vidéo se produit toute seule, même quand tu fermes l'application? Une vidéo produite va augmenter ton rendement en vues par seconde, aussi appelé VS. VS élevé te permet de collecter des vues, même lorsque tu t'absentes. C'est très pratique. Bon, maintenant, il faut vitaliser nos viewers qui s'abonnent. Pour ça, tu dois prendre en compte leurs commentaires. Ensuite, c'est simple. Plus tu feras de views, plus tu gagneras d'abonnés qui répondront à notre message. Il faut établir une bonne communion avec eux. J'ai dit communion, je voulais dire communication bien sûr. Clique sur l'onglet social en bas à droite de l'écran pour voir les commentaires de tes viewers. Fais plus de vidéos. Ok, donc là il a publié 8 vidéos dans 24 jours. Ok, faites 5 perfect. Atteignez un rendement de... Ok. Donc ouais. Et je sais et ah ben voilà. Voilà, tu le fais, XD. Ok. En fait, de faire des vidéos, ça coûte. Ça coûte des... Oh. Ah ouais. Oula. Attendez du coup. Donc là j'ai reçu un message. Eh, ça va poteau? J'ai vu que t'avais posté un let's play. C'est cool. Moi aussi je taquine la console. Je suis à fond dans le gaming. Si, je te jure. Tu crois que je passe ma vie à dénicher des canapés bras des super vendus, quoi. Quand il n'y a personne à la boutique, je sors les manettes et je sévis tout le nom de Ramsar 17. J'ai plein de tuyaux. Si tu veux, on s'associe. Ah ouais, donc... Bon, ok. Donc là, je fais une nouvelle vidéo. Le troisième épisode de Loadwork. Donc là ça... Ah bah tiens, j'ai un abonné en plus. Donc attendez, hop. Re les amis, hop. Donc là je peux refaire
du let's play. Ah, level up. Ok, et ah, ok. Et ça c'est quoi? Ah. Ok. Je pense que là, on va commencer une nouvelle série. Par contre, c'est 6 minutes. Du coup, je vais recommencer vu que là j'ai fait. Ah ok, c'est fini, ok. Un conseil d'amis. Déjà deux séries, tu ne chômes pas, c'est cool. N'oublie pas, la production d'une vidéo continue même si tu la fermes. Si tu fermes l'application, pratique ça. Chaque nouvelle série a un rendement en vidéo par seconde plus élevé. Mais attention, si tu laisses ta chaîne à l'abandon trop longtemps, des choses de viewers vont diminuer. Produis des vidéos ou fais des lives pour le maintenir au max. Par contre, si je peux me permettre, le look parfait dépouillé, c'est bien, mais pas très vendeur pour notre affaire. Fais un petit effort sur ton style, que les viewers ne soient pas distraits par les trous de ta chemise, quoi. Et change cette déco des fraîchis, ce sera mieux. Pour améliorer ton style, clique sur l'onglet boutique à droite de l'onglet chaîne. Puis tu trouveras quotidiennement des nouvelles fringues et des meubles en échange de quelques views.
Ah ouais. Oui, sauf que là, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Salut, la dernière dune de Mercury. Désolé, attendez, hop, 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 c'est bon. Alors. Donc là. C'est quoi ça? Ah, voilà. Pourtant, il manque les mines. Bah, oui, mais c'est trop cher. Hein. Trop de la balle. Ah, bah, merci. Donc là, il faut que je fasse l'épisode 4. Vos vidéos par seconde sont multipliées par 2 pendant 1 minute. Donc là, hop, l'épisode. Ah mince, c'est pas grave. Voilà, alors voilà. Il y a quoi aussi comme il est bon.
Ah ouais, ok. Ça, hop, c'est gratuit. Ah, pas mal. Ok, du matin. Ah, il veut nous parler. J'ai repéré un gamer. C'est le type qu'il faut suivre. Il s'appelle Pro Gamer Max. Il a un setup de folie. Il te faut le même. Tu vois qui c'est? Il commence toutes ses vidéos par Gamer Gameuse, bonsoir. À toutes et à tous. Trop stylé, t'as jamais entendu? Mais enfin, il est super connu. C'est l'un des rares rescapés de l'Apocalypse 2.0. Je me demande d'ailleurs comment il en a réchappé. Il aligne vanne sur vanne. Il est super marrant. L'humour, c'est la clé pour gagner des views rapidement. Faudrait que je place une ou deux vidéos dans le top 10. Comme ça, je le rencontre et hop, je pourrais devenir son pote. Alors, eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà. Si vous voulez que je fasse plusieurs épisodes, même là, s'il faut taper sur le téléphone. Ah, bah tiens, j'ai un abonné en plus dans le jeu. Si vous voulez un autre épisode, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à liker aussi, à partager. Comme je disais, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir les notifications de quand je fais des lives ou quand je mets des vidéos en ligne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, eh ben, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était la Team Spony. Allez, bye tout le monde!